soleil, forcément. Puis vous, vous avez décidé de faire du bordel à ce moment-là. Hein? Oh, ça va être encore une vidéo pourrie, il fait chier. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul action. Alors je suis désolée si tu m'entends souvent renifler dans cette vidéo, mais j'ai la crève. Et pas qu'un petit peu, je suis complètement HS, mais c'est pas grave. Tant que je reste debout, je continuerai à faire ce que j'ai à faire. Et puis bah voilà. Je suis pas le genre de... Merci Tiki. Je suis pas le genre de personne à rester clouée au lit. Non, clairement, non. Je peux être malade ou crevée, je m'en fous, je resterai debout quand même. Bon, encore une fois, je suis désolée pour l'éclairage pourri, mais en ce moment, c'est la tempête. Et c'est horrible. Il pleut tout le temps. Tout le temps. Juste au moment où j'ai allumé la vidéo, il y avait encore un rayon de soleil. Et là, comme par hasard, plus rien. C'est génial. Donc bref, trêve de blabla, j'ai dit que c'était une vidéo haul action. Alors, on est parti. J'ai acheté les nouveaux petits sacs à 24 centimes. Et du coup, bah, il est rempli et surtout, il est très très lourd. Donc comme d'habitude, eh ben, je fais une vidéo par mois sur les haul action parce que quand j'y vais... Bien souvent, je repars les mains vides parce que je trouve jamais rien dans mes magasins. Attends, j'en ai trois à côté de chez moi. Mais dans les trois, c'est toujours la même chose. Pff, rien. Bref, là, du coup, j'ai 5 tickets de caisse. Et on croirait pas, mais pour moi, ils sont très grands. D'habitude, ils sont beaucoup plus petits. J'y suis allée beaucoup plus de fois que ça, mais je suis repartie les mains pleines seulement. Enfin, pleines, façon de parler. Seulement 5 fois durant le mois. Attendez, on est en février là, donc ouais, mi-janvier jusqu'à là, mi-février. Donc j'ai beaucoup de choses sur le loisir créatif, mais j'ai quand même quelques petits trucs pour la maison. Donc on commence par ça et on finit avec le loisir créatif. Alors j'ai déjà noté tous les prix sur les produits pour éviter de me faire chier à aller chercher là-dedans. Bon, on commence tout de suite avec des pansements. Ouais, des très grands pansements, parce que bon, je te raconte vite fait l'histoire, hein, pour pas trop rentrer dans les détails. Mais ma fille qui est au collège, elle était aux toilettes avec des copines et une de ses copines a voulu refermer la porte des toilettes sauf qu'elle n'avait pas vu que ma fille avait sa main entre les deux quoi. Et elle a claqué super méga fort. Donc le collège m'a appelé en urgence, vite venez chercher votre fille, tout le monde est en panique. Du coup on a été obligé d'aller aux urgences, ça s'est passé il y a 2 semaines maintenant et c'est tout. Et si c'est pas des oiseaux, c'est les chats. Vous êtes chiants tous les... Combien maintenant vous êtes? Tous les 5. Attends, je sais même plus, il y en a trop. Bon bref, du coup, voilà, on était aux urgences et au CHU, ils nous ont demandé de faire venir des infirmières à domicile. Donc tous les 2 jours, t'as des infirmières qui viennent. Et au cas où, et ben, j'avais pris des pansements si jamais ça allait pas. On m'avait donné une ordonnance, hein, mais on sait jamais. Hein, mieux vaut prévenir que guérir. Donc du coup, j'ai pris des pansements pour elle. On s'en est même pas encore servi. Et en plus de ça, là, elle est partie en Allemagne avec le collège. Pendant une semaine. Donc j'ai oublié de lui mettre ça dans son sac de voyage. Normalement, je lui ai donné autre chose, mais j'avais oublié que j'avais acheté ça chez Action. Alors tant pis, c'est pas grave. Bref, du coup, trêve de blabla. Ça, c'était 1,49€ la boîte de... 5. Ah, il n'y en a que 5 en plus. Bon, on ne serait pas allé très loin. Des pansements, un lot de 5 pansements, des très grands. Ah oui, merde, ah oui, j'avais pas vu que c'était aussi grand. Ils sont immenses. Bah ça servira pour autre chose, hein, en espérant qu'elle se claque pas encore un doigt dans une porte. Ensuite, j'ai repris un presse-aille, parce que le mien, il était en piteux état. Bon, en fait, c'était à ma grand-mère. Et il était très vieux, mon presse-aille. Et du coup, bah, j'en ai racheté un nouveau pour le remplacer. Et celui-ci, il est à 1,99€. Il est classique, tout simple. C'est très bien, parce que chez nous, dans la famille, on adore l'ail. On adore ça. Avant, je détestais ça. Maintenant, j'adore. Donc ensuite, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai dit qu'il m'en refallait. À chaque fois que j'irai, eh ben, j'en rachèterai. Enfin, pas à chaque fois, mais au moins une fois par mois. Hein, parce que voilà. Bref, on s'en fout. C'est des sets de table. Donc c'était 1,86€ le lot de 2. Il y a ma fille qui est juste là parce que sa maîtresse elle est pas là. Elle joue à la console. Alors j'en profite pour l'embêter en même temps parce que je sais qu'elle va m'embêter aussi.
peux faire coucou vite fait. Hein. Non, elle préfère jouer la Switch. Là, lève la main, là. Non, là, on voit pas. T'es pas assez haute. Encore? Ouais, c'est bon. Bref, voilà, le set de table. Bon, ce qui est con, c'est que vu qu'ils sont enroulés, et eh ben, ils ont pris une mauvaise forme, quoi. Ça, j'ai perdu l'élastique. Alors, faut que je m'amuse à les remettre à plat. Mais voilà, sinon, c'est petit set de table classique. Donc là, du coup, ça m'en fait combien maintenant? Je crois que je suis arrivée à 8, si je dis pas de conneries. 2, 4, 6, 8. Ouais, je crois que je suis à 8. Donc là, je devrais être pas mal. Je sais pas si je vais reprendre, du coup, la prochaine fois. Oh, si, 10, c'est bien 10, un compte rond. Moi, 10, ouais, je reprendrai une, encore une fois la prochaine fois. Pour la dernière fois. Voilà. Oh, purée. Ensuite, pardon, excusez-moi. J'ai repris des marqueurs, parce que les miens, ils étaient malades. Ils étaient morts, hein, honnêtement. Donc voilà, j'ai repris un lot, il y en a 4. 2 noirs, un bleu et un rouge pour 59 centimes. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai repris un cheap sheet, un Airwick. Parce que, j'avais oublié la dernière fois qu'il m'en manquait. Hein. Donc bref, voilà, un Airwick, fleur de lys. Alors j'avais marqué le prix, mais c'est un motif facile. Je crois que c'était 3,19€. Le cheap sheet. Tout le monde appelle ça le cheap sheet. C'est normal. Ah bah, c'est hier bleu. Ah, mort là en plus, putain! Faut que j'aille sortir le chien, je sais pas comment je vais faire là. Enfin, si, je sais comment je vais faire, mais c'est chiant. Ensuite, c'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Non, c'est pas bien. L'autre me dit oui, c'est bien, mais non, c'est pas bien. J'ai pris du Milka. C'est mon chocolat chouchou. Donc, ça, c'était 1,79€, c'est le Milka avec Oreo. Alors, il faut savoir qu'avant, le Oreo, j'aime pas du tout. Moi, honnêtement, les gâteaux Oreo, j'aime pas. Mais on m'a fait goûter une fois le Milka Oreo et j'ai adoré. Oh, oh mon dieu, comment c'est. Et du coup, là, je me suis fait plaisir. Juste une fois, c'est pas méchant. Hein. Donc voilà, 1,79€ le Milka avec Oreo. Et c'est marqué où? Il y en a 5. T'as 5. C'est des barres. Ouais, voilà. Ça, j'en prends tout le temps. J'adore ce truc-là. C'est le gel lavant, le gel lavant pour les mains. Et j'en avais plus en stock. Moi, j'aime bien avoir du stock, toujours du stock. Donc, au cas où. Non, au cas où. Et du coup, voilà, sèche-le. Vous faites des bêtises, vous, hein? C'est pas possible. Je l'avais pas vu encore avec les petits éclairs. D'habitude, je pensais lui avec les petits chats, les petits félins. Et là, il y en avait un. De toute façon, c'est tous les mêmes, hein, c'est juste le design qui change. Donc, bref, là, c'est du savon pour les mains. Parce que j'en avais plus. Enfin, si, il m'en restait, mais j'en avais plus d'avance. Bref, voilà. Et ça, c'était 1,11€. Le petit savon. Ensuite, j'ai trouvé ça. C'est génial, moi, j'adore ces trucs-là. Et quand je l'ai vu, je me le fais, il me le faut à tout prix. Mais arrête de faire tout tomber, toi! Attends, faut que j'éternue. Pardon. Bon, bref, du coup, ce que je disais. Oui, j'ai pris ça. Des crèmes pour les mains. Des crèmes hydratantes. Crème hydratante pour les mains à l'aloe vera et au beurre de karité. Et c'est un lot de 4 petits tubes. Et moi, ça, c'est comme pour me laver les mains. La crème hydratante, j'en ai besoin tout le temps, tout le temps. J'en mets tous les matins. Tous les midis, tous les soirs, enfin bref, à chaque fois que je me lave les mains, du coup, ouais, c'est plus que 3 fois par jour. Je me lave les mains je sais pas combien de fois par jour. Donc c'est pour ça que le truc pour les mains ça part très très rapidement. Et les crèmes hydratantes aussi. Donc ça j'en ai besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que sinon j'ai les mains dans un état, elles sont mais bah là ça, j'en ai pas mis aujourd'hui en plus de la crème. Donc j'ai les mains très abîmées à cause de les laver régulièrement. Et surtout là en ce moment qu'il fait froid c'est encore pire. Bref. Des crèmes pour les mains, donc le lot de 4 c'était 3,95€. Les petites crèmes, toutes mignonnes, avec un effet marbré trop joli. Bah, de toute façon, c'est marqué dessus. Hein. C'est comme le parcelle. Hein. Donc, le dernier petit truc dans le divers, et après, je pourrais passer au loisir créatif. Quand je l'ai vu, c'était mon coup de cœur, c'était mon chouchou. Putain, il me le faut à tout prix. Y a pas moyen, il me le faut. Y a pas moyen de chat. T'es nul, comment ils appellent ça, eux?
Il n'y a pas marqué là. Pour décoration seulement. Ouais. Bref, c'est un plateau. Hé, le soleil revient! Wouhou! Bah, du coup, j'ai fait peur à mon. J'ai fait peur à Tiki, mon bébé. Non, tu manges pas les plantes! Tu ne manges pas les plantes! Je suis pas d'accord. Non, il n'y a pas de tension là. Ouais, attention, hein. Tu manges pas les plantes, point barre. Eh, j'en ai marre, hein, j'arrive pas à faire mes vidéos tranquilles hein, avec eux. Hein. Bref, allez hop, on dit, je disais. Je disais que c'était un espèce de plateau en bois. Enfin, ils appelaient pas ça un plateau. Je sais plus ce qu'il y a marqué sur le ticket de caisse et puis sur le. Dans le magasin. Mais ils appellent. C'était pas un plateau à l'origine. Mais moi, pour moi, je m'en servirais comme d'un plateau. D'un plateau. Oh purée. Bon, bref, c'était 4,99€ et il fait 37 cm de diamètre, presque 40. C'est plus gros que ma tête. Bref, voilà. Et moi, j'adore le bois. Le bois, c'est une grande histoire d'amour. C'est tout ce qui est naturel, les plantes, la verdure, le bois. Et ben, c'est bois. Voilà, j'adore ça. Et quand je l'ai vu, je pouvais pas passer à côté, c'était pas possible. Et puis 5€, honnêtement, ça reste raisonnable. Pour. Ça a l'air de. Ça vient de chez Action, hein. Mais ça a l'air. Ah, je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. Et je sais pas, il n'y a rien de marqué. C'est juste marqué pour décoration seulement. Donc je sais pas. Bref. Voilà. Bon, allez, maintenant on passe au loisir créatif. Il y en a quand même un petit paquet, donc on va faire vite. Ça, c'est le tout premier truc que j'ai acheté en plus. Ouais, c'est le tout premier. C'est de la dentelle. Moi, j'adore la dentelle et tout ce qui est vintage, shabby chic, tous ces trucs-là. Moi, j'adore ça, alors qu'avant, je détestais. Comme quoi, il n'y a que les cons qui ne changent pas. Hein. Et la dentelle, moi, j'adore. Et du coup, j'ai pris ces deux-là. Il y avait d'autres couleurs, mais les autres couleurs, moi, c'est trop flashy, trop girly. J'aime pas. Tout ce qui est rose, c'est pas mon truc du tout. Hein. Le rose, non, ça fait pas. Non, bref. Du coup, voilà, c'est des petits rubans en dentelle. Donc, il y en a dans les tons bleus et d'autres dans les tons grisonnants. Je sais pas comment je pourrais dire exactement. Mais bref, voilà. Et c'était 94 centimes le petit paquet. Alors, ça, j'en avais déjà pris il y a pas mal de temps maintenant. Putain, ça fait du bien le soleil, ça me réchauffe là, j'avais froid. J'avais pris sur le thème des papillons et des plumes. Et bien là, j'ai pris sur le thème des plantes. Et c'était 49 centimes le. Je sais pas comment t'appelles ça. Le kit de décoration. D'accord, si tu veux. Sur le thème des. Enfin, c'est vrai. Oui, c'est les plantes. Mais c'est surtout les cactus ou les plantes grasses. Il y a un peu de tout quoi. Voilà. Alors, je suis une grande fan des washi tape et à chaque fois que qu'il y en a qui me plaît, et ben je les prends. C'est comme ça. Et du coup là j'en ai repris deux petits paquets de washi tape. Parce que j'adore. Donc il y en a un qui est dans les tons roses, oui, certes. Mais il y a des petits papillons et des fleurs de cerisier. Alors bah j'ai craqué dessus. Hein. Et l'autre c'est tout en noir et blanc et j'adore ça. T'as hâte de te foutre de ma gueule toi? Donc c'était 89 centimes le lot de washi. Ouais, c'est tout. Voilà. Alors ça c'est le troisième que je prends comme ça. Mais moi j'adore ce truc là. Puis j'ai peur d'en manquer à chaque fois. Donc je préfère en avoir d'avance. Comme ça au moins je suis sûre que je peux me faire plaisir. Et que je vais pas en manquer. C'est ce petit carnet là. À 2,97€. Attends je vais éternuer encore. Non ça veut pas venir. Toi, c'est en train de me faire pleurer aussi. Moi, il veut pas venir. Putain, il y a maintenant que je pleure. Quelle connerie. Bref, alors comment t'appelles ça, toi? Il n'y a pas marqué. C'est du. Voilà, c'est un carnet avec des feuilles blanches, des feuilles craft et des feuilles noires. Et moi, celle que je préfère, honnêtement, c'est les feuilles craft. C'est celle que je me sers le plus souvent. Oh putain, elle m'a fait peur, du coup je vais les faire tomber. Je me fais des frayeurs toute seule. Et à chaque fois en plus, il y a deux sortes de papier. T'as du grain fin et du grain plus épais. Donc c'est plutôt pas mal. Il est bien. Mais le blanc et le noir, je finirai bien par m'en servir. Hein, mais c'est vrai que je me sers plus du craft que autre chose. Donc ensuite là, honnêtement, je me suis fait avoir. J'ai repris un petit bloc comme ça à 1,79€.
C'est dit quoi? Comment t'appelles? Des blocs papier de luxe. Sauf que il manque des pages à l'intérieur et je m'en étais pas rendu compte sur le coup. C'est quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu ça. Oh putain. Il manque principalement la planche de stickers. Oh putain. La planche de stickers, c'est aussi une planche de die. De die cut. Ou de... Ouais, c'est ça, de die, ouais. Il manque la... Et vous me laissez travailler, s'il vous plaît, là. Vous êtes rien énervé. C'est bon, vous avez fini? Il y a trop de soleil, je vois plus rien. Je dis non, faut pas que je me plaigne. Donc, il manque principalement la planche de stickers et une planche de die cut. Mais bon. Attends, je vais encore éternuer. Mais bon, tant pis, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Pardon. Ensuite, je me suis fait plaisir, j'en ai pris 4. C'est des planches de stickers, mais en mousse 3D. Donc ils étaient tous à 74 centimes les stickers. J'ai pris, il y en avait encore plein d'autres, hein, des modèles, mais les autres, ils m'intéressaient pas. Et ils sont vachement colorés. C'est d'habitude tout ce qui est trop coloré, moi, c'est pas mon truc. Mais là, je les ai trouvés tout mignons quand même. Voilà, c'est tout. Donc j'ai pas besoin de donner plus d'explications parce que tu vois tout en détail là en ce moment. Au moment même où je te parle, hein, tu vois tout ça plus en détail. Voilà. À chaque fois, il y en a 22. Il y a 22 petits stickers autocollants en mousse dans chaque planche. Et comme je l'ai dit, chaque planche est à 74 centimes. Ensuite, pour cela aussi, je me suis fait plaisir. J'en ai pris 4 aussi. C'est des, pareil encore une fois, des planches de stickers. En fait, les stickers là, les ceux en mousse, enfin ceux en mousse peut-être pas, je sais pas. Mais surtout ceux-là, c'est fatigant. Hein. Surtout ceux-là, je vais m'en servir pour le bullet journal. Donc c'est pareil, j'ai pas besoin de te donner plus d'explications, tu vois passer tout ça en détail là en ce moment même. Donc pas besoin de me faire chier à t'expliquer le pourquoi du comment. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est n'importe quoi. Bref, à chaque fois c'était 99 centimes la planche de stickers recto verso. Ensuite, ça c'est le dernier, il n'y en avait pas d'autres dans le magasin, c'est la dernière chose que j'ai acheté en plus. Donc du coup j'avais pas le choix parce que c'est le dernier, il n'y avait rien d'autre. Et les autres fois où je suis allée dans les magasins Action, j'en ai jamais vu auparavant. Là j'y vais la dernière fois et c'est le dernier qui reste, alors c'est très bien. Et en plus ça aurait été bleu et vert, donc c'est encore mieux, voilà. Bref, c'était un lot de petites paillettes dans des petites fioles en verre. Donc ça c'est génial parce que les fioles en verre, moi je m'en sers tout le temps, donc c'est génial de chez génial. Plein de petites paillettes. Alors c'est pas les paillettes... Ah si, il y en a deux, pardon. J'allais dire c'est pas des paillettes classiques, mais si dans les deux dernières bouteilles, oui, c'est des paillettes classiques. Dans les deux premières, c'est des espèces de petits filaments. Et dans les deux du milieu, c'est comme des espèces de petits confettis. Dans les tons bleu et vert. Bleu et vert, bleu et vert et bleu et vert. Moi j'adore. Si, je suis contente. Oh, putain, il m'a fait peur le con. Je m'attendais pas à ce qu'il vienne sur moi. Et donc, ouais, je sais plus si je l'ai dit, mais c'était 99 centimes le lot de 6 petites bouteilles en verre. Les petites fioles. Voilà. Tu descends, mon loulou? C'est beau, mon bébé. Tu fais des bisous à maman? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu, mon bébé? C'est gentil. Alors ça, je m'étais promis d'arrêter d'en acheter, mais quand je les ai vus, j'ai craqué. C'était plus fort que moi. Des petites feuilles de scrap, les 15 par 15. C'était 95 centimes le petit lot. Et donc il y a le soft botanique et le feeling happy. Mais arrête toi! Non, mais c'est pas pour toi, mon bébé. Voilà.
Et je viens de voir que j'ai plus de batterie, alors je vais faire très vite. Et ça tombe bien parce que c'est la dernière chose que j'ai achetée. Et c'est pareil, j'aurais pas dû parce que j'avais dit stop, mais c'est pas grave, hein. On fait des conneries, on les assume. J'ai pris les 30-30 aussi, les feuilles de scrap. Donc il y a l'effet marble et l'effet travel. Mais arrête! Voilà, des feuilles de scrap, 30%. Il faut que j'arrête avec ça parce que je commence à en avoir un stock énorme et puis je les épuise pas tant que ça. Donc il faut que j'arrête parce que j'ai pas beaucoup de place ici. Mais ça, j'ai oublié de le dire, mais c'était 1,99€. Et lui, c'est mon petit chouchou parce que t'as plein de map monde, de la terre, le monde. Moi, j'adore. C'est vraiment, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-là. Donc autant dire que celui-là, je vais jamais l'utiliser. Parce que je l'aime trop et que j'ai pas envie de le gâcher. En plus, une double page comme ça, c'est génial, quoi. Il est trop beau. Vivement qu'on achète une maison, hein. Mais pour ça, faut que je trouve du boulot. Et j'en ai toujours pas. Fais chier. Bref, du coup, trêve de blabla, j'en ai fini avec cette vidéo. Il faut que je fasse très vite, parce que j'ai plus de batterie. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo haul. Et vas-y, comment je t'enchaîne, là. Ouais, tous les mois je fais. Alors, comme je le craignais, ça a coupé en plein milieu de ma phrase, je sais plus où j'en étais. Et bah, c'est pas grave, je sais que c'était la fin, c'était le moment de se dire au revoir. Alors, bah, au revoir. Non, du coup, je sais plus ce que j'avais dit avant. J'étais partie tellement en Speedy Gonzales que je sais plus ce que j'ai dit. Puis le temps que je recharge la batterie, bah, il s'est passé des choses et moi, mes neurones. Alors, au risque de se répéter, et bah c'est pas grave, je pense qu'on a l'habitude, hein, je me répète tout le temps, donc c'est comme ça. Alors, bah vu qu'il y a une vidéo haul tous les mois, et bah si tu regardes que les vidéos haul tous les mois, et bah je te dis au mois prochain, hein, au mois de mars. Et, ils ont toujours pas fini de foutre le bordel. Et bon, je pense que je l'ai déjà dit, mais mieux vaut trop que pas assez, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et même si c'est parti carrément freestyle, c'était du grand n'importe quoi, là. Oh, oh la vache. Il y a toujours mon petit rayon de soleil, c'est bien ça. Ouais. Donc du coup, je coupe court tout de suite à cette vidéo. Parce que je pense que j'avais déjà fait tout le temps finalement. Ah, ouais, je pense que j'avais fait tout le temps. Alors je coupe court, je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Eh, t'arrêtes ton... Arrête. C'est qui? Ça suffit. C'est ça qui t'intéresse? Ah, c'est pour ça que t'es venu me voir! Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu te dis? Tu veux casser le plastique? Tu veux ouvrir? Et je vais pas te laisser mes paillettes, hein, t'es pas bien dans ta tête. Toi, je suis en train de pleurer à cause du rhume, c'est chiant. Bon, ça y est, t'as fini? Vraiment, bébé. Petit bisou.